Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends. On joue Dire Jungle. On est avec un Trundle, un Kassadin, une Jinx, une Lulu contre Volibear, Maître Yi, Karma, Caitlyn et Blitzcrank. Et on a un niveau de jeu Platine 4 actuellement. J'ai pas paramétré mes paramètres encore de raccourcis pour switch de scène et tout. Et ce qui est ouf, c'est qu'il y a des trucs qu'on peut faire sur. Il y a des trucs qu'on peut faire sur OBS qu'on ne peut pas faire sur Streamlabs. Et genre le switch automatique de scène, on l'a sur OBS mais pas sur Streamlabs, c'est un peu chelou. Bref, du coup, merci à la personne dans le chat qui me l'a suggéré. Sinon, vous étiez parti pour une game en écran noir. Hein. Pas hyper chaud de tenter quoi que ce soit contre un Blitzcrank en fait, on veut juste rentrer tranquille. Ils sont cons ou quoi? On n'est pas tous là, il y a un Blitz, qu'est-ce qu'ils veulent faire? J'ai pas pu passer ma pink, enfin ma ward à mon raid, c'est un peu chiant. Bon, je pense pas que Maître Yi ça joue trop agressif en early, mais. Bon, la Caitlyn elle a 80% de win rate. Maître Yi 67%. Ça se gère en vrai. Juste la Caitlyn fait un peu peur, elle a un gros win rate sur beaucoup de games. De me taper un podcast League of Legends sur YouTube après. Vous avez pas aimé mon podcast Coliseum que j'avais mis à l'époque là? Oh, c'était stylé. Hein. Le petit clear théorie craft sur les loups. Et du coup avec leurs nouveaux items de mort là ça m'a changé tous mes clears moi par rapport à avant quand je jouais à la machette. Mais c'est pas mal leur nouveau système d'items jungle là, j'aime bien. Ouais. Hop là, vous avez vu le petit du clear? Ça c'est du théorie craft mieux que sur Dofus. Je déteste quand ils sont empaqués comme ça et que c'est galère de bien focus celui qu'on veut. Ok, bon cette fois-ci je me fais pas trop int, j'ai l'impression, ça régale. Le fight. Bien, ouais. Ouais, le volley est un peu gris, il avait plus de flash ni rien. Donc, du coup, je suis un peu late pour mon carap. Contre un maître Yi, ça devrait être fine. Bon, il aura peut-être le bot. J'aurais bien aimé prendre double carap et lui en laisser aucun, mais. En vrai, j'ai encore un flash. Je sais pas si Karma a encore des sems. J'aimerais bien ne pas me retrouver en 1v2 avec le maître Yi, s'il vous plaît. Ok, c'est wardé. Je sais pas ce qu'il faut l'autre. Misclic, je suis un bouffon, je voulais lui mettre un tigre mais je lui ai remis un mauvais coup. Bon, il récupère, hein, c'est pas mal, mais le trade aurait dû être 100% free. Ah, il y a eu le blitz qui est venu, ça c'est pas ouf. Le trade aurait dû être vraiment easy et j'ai misclic une posture, c'est pas ouf. Moi, bon, il me faut 1400 gold pour mon premier back, malheureusement. Je crois que le carap est pas fait, hein. Check. Hop, on prend évidemment le soin de la tortue là-dessus. Ouais, j'ai mon double carap au final. Bon, j'ai perdu mon flash comme un débile. Vraiment, ça aurait pu bien mieux se passer. Oh putain, non!
Voilà, par contre, je suis dans la sauce. Là, je peux pas faire. Ah, oh, ça, ça me met au fond, par contre. Ah, oh, merde. J'ai hésité, hein. Je me suis dit, bon, est-ce que je smite le Gromp et je pensais qu'il aurait pas le temps de revenir. Oh, là, c'est un misplay colossal que je viens de proposer. Bah, eh ben, c'est terrible, je suis dans la merde. C'est absolument terrible. Ah, oh, merde. Ouais, bon, bah là, je suis dans la sauce. Puis bon, c'est un cassé dans early, hein. Je peux pas le blâmer de pas être plus présent, c'est normal. Il attend son level 6, il a bien raison. Il survient, ouais. Bon bah j'ai un early absolument terrible du coup. Ah puis bah évidemment. Bon bah je go AFK farm. Ah ouais, c'est de la merde. C'est de la merde, en plus je perds le passif. Deux fois j'avais les outils pour que ça se passe bien et j'ai pas été assez bon, hein, simplement. J'aurais dû garder le smite pour le carap, je savais que j'allais y aller juste après, il y avait pas vraiment besoin de smite le groupe. J'ai juste voulu gagner du temps, je pensais vraiment pas qu'il aurait le temps d'être en position en fait, mais... Ah, bah d'accord, l'attaque automatique qui me troll, je perds un sbire, c'est bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. En vrai ça va, c'est un drake des océans, c'est pas très grave. Je vais go AFK farm là, je suis tellement late du coup, je suis hyper en retard sur mon farm. Je devrais être à 600, enfin à 63 à peu près à ce timing. J'ai à peu près la moitié du farm que je devrais avoir, ça va pas du tout. Bon, j'ai pris deux assists. Celle sur le trundle c'était pixel perfect, par contre au mid c'était pas ouf. Je pensais pas qu'il ferait le Drake aussi vite. En général, les maîtres sont pas trop du style à solo des Drake en early. Mais bon. Bon, j'aimerais bien aller vers le Kassadin, mais en vrai, on tuera jamais personne. Je vais arrêter de perdre du temps à faire des moves hasardeux. On va essayer de sécuriser la macro game plutôt, ce sera plus rentable. Il a bien boulot ce maître quand même, avec son petit smite dans le bush là. C'est le genre de truc, ça fait toujours son petit effet quoi. Peut-être venir bot en vrai. Peut-être moyen de faire un truc. Ouais, non. Dommage, pourtant il n'y avait pas de vision. Ça aurait pu faire quelque chose. Et après ils ont utilisé la vague de sbires qui pêchait, hein. Pas leur faute. Ok, je vais enfin pouvoir mettre du Red Smite. Bon, je fais des petits misplays de micro, mais c'est pas très grave. Trundle qui a l'air d'être plutôt fine dans son matchup en vrai. Je pense que je vais rush le Red. Il y a Maître Unibot, je vais faire Red Herald. Et après, je viendrai peut-être vers m'occuper un peu de la top lane. J'espère que j'ai le temps d'Herald. Bon, je vais quand même mettre un petit moment à le clear, mais bon, avec les Sepinkey, ils ont le carap qui va leur donner l'impression d'avoir la vision. Ça c'est pas mal. J'espère que le Herald m'a pas poussé dans la vision du carap, j'ai un doute. Ce serait assez sad. Parce que c'est hyper intéressant de prendre la petite plante pour le gem quand il y a la vision du carap dans la rivière, pareil pour le Drake, ça fait qu'ils ont l'impression qu'ils sont safe alors qu'en fait ils le sont pas du tout. S'il me refait le coup du smite sauvage, le maître Yi, là je vais pas kiffer. Hein. Ouais, non, c'est bon, c'est good. En vrai, top ou mid. Je vais venir faire de chance. Alors ce qui est chiant, c'est que quand c'est comme ça. Vas-y, un petit rocher, mon gros. Ah, j'ai de la mal mis. En vrai, on va go. Hein. Tous les jours, on go. Ok, on va peut-être se prendre Karma plus maître Yi. Être prêt à réagir. Ok, bon, on a pris les plates. Ok, c'était assez obvious. Ah oui, d'accord. C'est un peu violent, ça, quand même. Pas besoin, on leur fait utiliser beaucoup. Ils ont tout claqué. Il y a eu ulti sur maître Yi, flash sur Karma. Il n'y avait aucune chance qu'il se passe quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment des débiles. J'étais 100% safe, j'avais mon flash.
J'ai bien fait de pas commit sur le volley, j'ai hésité à tenter un dive, mais bon, déjà un dive un volley, il faut déjà être chaud. Et je savais qu'en plus, elle allait décaler, donc là, pour le coup, c'était plutôt la bonne décision qui a été prise. Avec 29 secondes, bon, celui-là, je m'en fous un peu, j'ai pas d'ulti, mais pour la team, on va quand même aller le chercher. Ok, ça, c'est good. Bon timing, juste avant le Drake, c'est très très bien. Tac, tac, prendre une pink. Ok, je suis even en farm avec Maître Yi. On a la même farm, même KDA, c'est marrant. Il a plus d'ulti. J'ai ping le flash karma. Il y a eu ça qui a été claqué, ça qui a été claqué. J'aurais pu commit un peu plus, j'aimerais j'aime. J'avais encore tous mes utilitaires, mon flash et compagnie. Mais voilà, j'ai estimé que j'avais du backup et je préfère les garder pour un moment où ce sera plus utile. J'aurais pu aller placer un peu plus de dégâts en vrai. Bon, c'est bien, j'ai revolé à Maître Yi le Kirab qui m'avait volé. Cool hein, par contre. C'est un début quoi. Je comprends pas comment en platine les gens ils peuvent ne pas comprendre qu'il faut plein de rake. Ça c'est moi qui tend. En vrai, c'est un peu greedy ce qu'on fait là. Maître Yi est mort, il me semble. Hé hé, la réponse était non. Je me serais attendu à ce qu'on snipe le Drake en fait. Je sais pas pourquoi ils sont tous partis. Il y avait juste à pool, on le faisait tous, on avait la prio. On était tous dessus, on le détruisait en 2 secondes, hein. Vraiment, ils pouvaient rien faire. Je sais pas, ils sont tous partis. Ils sont pas faits d'en face, t'as rien, mais là par contre c'est terrible. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Là ça va être redout de comeback du coup. Maître Yi qui va commencer à scale. Ça va être un problème ça. Le pire c'est que j'avais encore tout moi, hein. J'avais encore mon flash, smite, je pouvais faire venir des trucs, je pensais juste pas que ça allait partir en live comme ça. C'est assez triste. Bon vas-y, je vais essayer de venir bot, je vais être un peu late. Je vais essayer de le problème c'est qu'il y a absolument aucun moyen d'engager quoi que ce soit, et on se fait quand même dominer au placement. J'ai aucune opportunité de gank nulle part en fait, c'est un peu relou. Ok, là j'en ai une. Ah non, c'est vrai que c'est intouchable ce truc. Ok, on va go, on va y aller sur le Maître Yi je pense. S'il est chaud, on peut. Hein. Ah, fallait le bait. Ah, il a une Rakdos. Je vais même pas pouvoir le 1v1 en vrai. Faut pas que je le tout seul par contre là. Je sais pas ce qu'il fout Kassad, hein. On l'avait là, on était à deux dessus, on l'a tué en instant, il joue pas, c'est... C'était 100% free, encore une fois. Je sais pas pourquoi j'essaie de jouer avec la team encore, je devrais FK farm, mais... Ça tilt quoi. Il a juste à lui faire son cul dessus, il interrompt son sort, ça ne snare pas, il prend un stun, on la tue instant, et les Maître Yi, on lui tombe dessus. Enfin, c'est tellement obvious, mais non, je sais pas. Je suis vraiment à 0-3 là. Ça, c'est la vie que je mérite. Fight le truc, ils vont me foutre. Ils ont pris Hérald ? Pourquoi il y a encore le Kirab ? Mais qu'est-ce que c'est ? Pourquoi il y a le Kirab là ? What the fuck ? Mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Ils ont un niveau abominable en face. Et c'est moi qui suis en 0-3 et lui qui est en 5-1, évidemment. La classique. Allez, on va aller chercher le red. Le bleu, pardon. Je crois qu'il y est normalement. Hop. Toi tu manges tes morts. Est-ce que je me prends un volley là?
probablement. J'ai un flash en vrai. Non, bah. C'est bon. Normalement, il y a un free kill mid là, mais il va encore pas y aller, donc c'est un peu relou en fait. À tout moment, je peux lâcher un flash in, on la détruit, mais. Elle va m'immobiliser, il va pas utiliser son interrupt, enfin, comme d'hab quoi. Ok, bon, c'est lui qui récup, bah, je sais pas, heureusement qu'elle est AFK en face. C'est apparemment ce qu'il fallait pour qu'on passe un kill. En vrai, il est en 4-2 le Kassadin, mais c'est là qu'on voit le KDA, ça veut pas tout dire, hein, parce que bon. C'est quand même un peu laborieux, hein, les kills là. Okay, on va partir en grosse counter jungle sur le maître Yi. Faut vraiment pas qu'il puisse scale, il me fait peur, ils ont deux Drake en face, c'est deux de trop. Autant le premier, ok, c'était à cause de notre truc poiré au carap là, autant le deuxième, y'a aucune raison qu'il l'ait eu, vraiment, c'était n'importe quoi. 50 secondes, en vrai faut que je reset. Ouais, je peux peut-être. Elle est sérieuse, elle a laissé le farm. Bon, on va aller récup tout ça. Ça laisse du gros beer comme ça dans le plus grand des calmes. Faut absolument préparer le prochain Drake. Je vais push ça à fond. Celui-là par contre faut absolument pas qu'il ait. Bon, je suis un peu late du coup. Je sais pas pourquoi elle le sait barrer en laissant la lock de sbire comme ça n'a un peu aucun sens. Je pense que je vais me prendre de l'armure et ça sera assez utile contre ce qu'il y a en face. Parce que là le maître il va devenir problématique. Ils sont vraiment. Oh, d'accord. Ok. N'en dites pas plus. Oh le level quoi. Botlane que je me tape là, c'est compliqué. Bon bah ok. Heureusement moi j'ai un Kassadin qui est bien strong avec moi. Là, ça va... en vrai, on va aller chercher la quête, je pense. Ok, il la récup. Ok, je prends la 6, c'est good. Ça, c'est huge parce qu'on va vraiment avoir besoin. Ok, bah GG. On peut y aller là, non, tous les jours. Hein. On va laisser le Kassadin setup tranquille. Ça, on va le prendre. Hop là, j'ai tellement bien tempo. Ok, on a un Trundle qui arrive en flank. Ok, on va se régénérer là-dessus, on va y aller. Allez, un petit bump quelque part peut-être, non? Ok, je vais pas chase à l'infini. En vrai, s'ils veulent pas, par contre, on fight. Hein. Là, on a le... Ok, voilà, on prend juste le gros. Il n'y a pas de plante pour jump. J'aurais pu la prendre, sinon. Allez, normalement, celui-là, on devrait l'avoir. Hein. Si on se le fait encore bouffer, je vais péter un câble. Pas de raison qu'on l'ait pas. Smite est à 680. Mais j'avais le doigt dessus, hein. J'étais prêt, hein. Là, c'est un peu sad quand même. Là, c'est vraiment, on est en train de remonter dans la game. Là, c'est terrible en fait, parce qu'ils sont un Drake du sol. Ils vont commencer à escaler comme des cochons. Ils le tuent quand même, ils ont besoin de moi. C'est incroyable ça. Et d'accord. Bon, ils se font bolos. Bon, bah, super. Pff, rien qui va. Je suis abattu pour le Drake là, vraiment. C'est juste ça en fait, c'est terrible. J'ai le droit de dire un peu, j'ai le droit de jouer ou comment ça se passe? D'accord. Hé, hey, le tigre, eh oui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il vole pas mon farm comme ça, moi. Non, bah c'est officiellement terrible hein, ce qui se passe là. Tout le reste, je peux le tanker, mais par contre, me faire prendre le Drake comme ça, vraiment, c'est dramatique. Je regarderai les replays, je comprends pas comment j'ai pu ne pas l'avoir. Ils étaient pas en position. Je suis sûr de pas avoir misclick. J'ai pas de ping. Très bizarre. Très très bizarre tout ça. Ok, bon, j'ai mon Drake dans 15 secondes. Là, je pense vraiment qu'on perd la game là-dessus en vrai. C'est assez triste, mais. Sinon, je suis en train de devenir un monstre, je suis en train de mettre une distance au maître Yi, je lui mets deux levels, je l'ai calmé en 1v1 tout à l'heure alors qu'il avait l'avantage. Là maintenant, je vais le détruire dès que je le croise. Bon, un Herald à standing, c'est pas très grave, on s'en fout. Mais là, par contre, le Drake, c'est vraiment dramatique. Carap, non. Le kill passe pas malheureusement. Ah, vraiment? Ouais, c'est terrible. J'aurais peut-être pu mettre une ou deux autos de plus au volley. Elle va vivre, elle, ou... Okay. Bon, j'ai essayé de l'aider comme j'ai pu, mais...
Non, bah, je sais pas, c'est ce que je mérite apparemment. Bon, Castellan qui prend une tour. Bah, bon, en vrai, le Castellan il joue safe, il joue secure, mais le problème c'est que pour qu'il puisse temple le lake, il aurait fallu qu'on ait les Drake, au moins les montagnes, quoi. Et là, vraiment, celui qu'ils ont eu, c'est dramatique. Voli, c'est compliqué à fight, si je peux avoir un peu d'aide pour dev, peut-être. En vrai, j'ai envie d'y aller. Mais... Ah bah non, il y avait un Herald, c'est pas de chance. Ok, là, go par contre. Ok, la Jinx a récupéré un peu. On y va. Merde, je me suis chié dans mon bleed, j'ai pas pris ce que je devais. C'est pas grave. Ah, il me faut absolument l'hydre pour pouvoir aller split push. Check sa jungle en vrai. C'est un peu risqué, mais là on est à un stade où il faut grid. Hein. Faut grid pour créer des opportunités et pouvoir avoir une chance d'avoir un peu de succès. Hop, c'est le meilleur truc à faire. Si on joue safe, on a perdu. Hein. C'est aussi simple que ça. En vrai, on peut presque leur tomber dessus au mid là. Hein. Ouais, bon, c'était greedy, mais. Pas de raid là. Ok, on leur enlève de la mobilité, on prend tout. Je suis un peu vu malheureusement, on va se barrer. Drake 49 secondes, bon je vais reset. En espérant que celui-là je vais l'avoir, mais c'est terrible hein, vraiment. Oh le Voli en vrai. Voli était solo là. Hein. Ils font vraiment ça là. Ah, c'est une humiliation par contre. Bon, du coup mon build. Ah, non, je vais quand même le prendre dans l'ordre normal. Ils sont sérieux là? Bon, je vais venir vers le mid, on va voir si je go vers Nash ou Drake, je le sens pas trop. Ils prennent des fights un peu chelous. Je sais pas pourquoi ils ont pas laissé le Nash, et on aurait pu tous rush le Drake, et en vrai c'était ok, mais. Ah bah oui, bah ça c'est tout ce qui me manquait ça. Ah bah parfait hein. Parfait. On reste dans l'ambiance, tout va bien. En fait, ils sont un Drake du sol, donc évidemment qu'il faut prioriser un Drake sur le Nashor. Bon, apparemment, ils comprennent pas trop ça. Oh, j'ai eu le Drake, incroyable. Oh, je vous avouerai que c'est. C'est agréable ce petit bruit là. Oh, c'est tout ce que j'aime. C'est ce qui me manquait sur cette solo queue, vraiment. C'était le. C'est la cerise sur le gâteau là. C'est la petite touche parfaite. Ah, par contre, je crois que je vais devoir aller les aider à def. Il me faudrait. Ah, il manque tellement rien pour avoir un item en vrai. Je peux arriver par derrière. Je vais essayer de rush la Caitlyn. Le problème c'est que bon, ça peut vite se retourner contre moi, faut que je fasse gaffe. Ok, bon ils prennent un inhib. Elle est vraiment terrible, je ne sais pas. Ça va me tomber dessus là? Ouais. Éviter de trop m'exposer. Ok, j'en ai vu deux, au moins trois. Mais non mais là, avec le Kassadin, tu me fais peur mon gros. Ok, bon je vais avoir un des wards. Je pense qu'il y a une ward par là, probablement. Ah non, ouais j'en ai encore ça, what the fuck. J'ai l'impression qu'on s'en est pas si mal sorti que ça au final. Mais c'était évident qu'il fallait il fallait focus le Drake, hein, bien mieux que le Nash. Hein, c'était là il prenait le sol, c'était fini quoi, mais... Ok, bon, je vais pouvoir commencer à split. Le problème, c'est que bon, si la game est déjà finie, ça va être compliqué d'aller splitter quoi que ce soit. Ok, j'ai un raid, le timing est bon. Le problème, c'est qu'avec la compo qu'ils ont et les kills qu'ils ont pris, je peux pas trop fight en fait. Normalement, je devrais être en train de me balader et de mettre une pression de fou. Je peux pas trop m'exprimer là, je suis un peu obligé de ramper. Bon, je suis en train de distancer le Yi, je lui mets deux levels encore et en farm absolument colossal. Alors que Yi, c'est censé être un perso qui power farm. Après, il a pris tellement de kills qu'il aurait jamais dû avoir, ça tilte un peu en vrai. Kassadin est très exposé, il me fait un peu peur. Là, eux, ils jouent en paquet tout le temps avec Blitzcrank, c'est terrible quoi.
Il faut que je go top en vrai. Mais là, il domine complètement le placement. Je vais dépush. Et voilà. Faut absolument prendre des tours, quoi, mais... Ok, là ça peut nous tomber dessus par en bas. Sans combien, je sais pas trop. C'est pas impossible qu'il y ait peut-être un petit kill à choper par là. Ok, oui. Vraiment, je loupe mon flash là, c'est ma vie ça. Ok, je la tue en plus au tigre, mais je suis le pire bouffon. Ah putain, j'ai joué pas mal offline, je fais que dégâts marché propre, et évidemment dès que je me remets à stream, je fais de la merde. Bon, c'est normal, hein, y a toujours une petite part de concentration qui se dissipe, mais putain, vraiment. Bon, c'est quand même Newt que je l'ai tué, ça c'est très bien, mais bon, je perds un flash comme un attardé, quoi, ça c'est assez sad. Ok, là il faut vraiment que j'aille prendre des inhibs. Il les tue, on est d'accord, hein. Je vais y aller quand même, parce qu'ils vont réussir à pas les avoir encore. Je sais pas, on a un Kassadin qui est censé devenir un monstre. Non, ils se font détruire. Allez, bon bah. Un flash gâché pour un flash gâché, on va dire. Allez, ciao. Hop. Ok, je suis en train de redevenir à peu près strong. Le problème, c'est qu'on est trop tard dans la game. Non, je peux plus me balader et aller chercher les kills partout comme je veux. Ok, je rate le gros sbire, faut m'expliquer pourquoi aussi. J'ai toujours mes deux levels d'avance sur le lit. Ça, c'est pas mal. Ok, il va me falloir mon canon ultra rapide et je vais commencer à aller split hard. Ah, cela dit. Ah, il y a le Drake, ouais. Bon, faut que je reset là. C'est beaucoup plus compliqué que ça devrait être cette game. Je fais beaucoup plus d'erreurs que quand je suis pas en stream. Je le ressens assez fort là. Bon, c'est normal, faut que je me réhabitue. Faut absolument qu'on soit tous au Drake. Hein. Je vais aller en vrai. Probi, si je la chope. Ok. Non, non, mais pitié, mais une auto, c'est quoi une auto dans une vie? Oui! Oh, vraiment? Ça, c'est ce que je mérite, ça. Ça, c'est ma vie, en fait. Oh là là, le 4 sur la Jink, sur la Caitlyn était vraiment huge. Ça aurait pu nous mettre hyper bien. Ok, si elle récup. Ah, d'accord, il y a un milliard de boucliers qui vient de pop, ça, c'est un peu lucky. Ok, l'auto est passé sur le Yi, c'est assez chelou, mais en vrai, je pense que du coup, il récup. En vrai, j'ai créé une énorme opportunité en chopant la quête comme ça. Dommage que j'ai pas pu lui mettre la dernière auto pour la kill instant. Mais je pense que malgré tout, là on a un Kassadin qui est quand même en train de devenir un peu un monstre. Et à mon avis, ça devrait récup le Drake derrière. Oh, c'est huge en fait. Moi je pense vraiment que j'ai bien joué là-dessus. Bon, le grappin du Blitz m'a mis un peu dans la sauce, hein, j'avoue. Il y avait tout le monde. Mais par contre, faut Drake là, arrêter de chase une karma. Ils sont tous morts, Drake, mais. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Mais c'est quoi ce niveau? On est en platine quand même, hein. Je sais pas. Mais... Non, il préfère aller chase une karma littéralement à l'autre bout de la map. Mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. D'accord, donc il kill là, c'était parti de là. Bon, je fais un coup de droit sur le Drake, si ça passe pas, ça passe pas. Hein, mais... Je mets 3 levels au I. Mais là c'est du int, hein, vraiment. Il y avait Free Drake. Hein. Bon, j'en ai rien à foutre, hein. Je fais un clic droit dessus. De toute façon, quand j'en ai qui doivent être free, je n'arrive pas à les smite, donc normalement, là maintenant que c'est un peu plus compliqué. Voilà, du coup on l'a. Bah, c'est logique, hein, en fait, c'est comme ça que ça marche. Bon, maintenant Nash. Bon, je vais être level 18 assez vite. Vas-y, prends le Kassadin. Bon, en vrai, je peux faire un full clear, je pense. Je commence à avoir un bon DPS. Je mets une énorme distance au lit. Complètement perdu dans sa game, lui, avec ses 9 kills, là c'est bien. Ok, en vrai, ils sont pas mal bots. Je pense qu'on peut snipe le Nash là. Ça peut peut-être se faire. Non, j'ai pas de snipe. Hein.
Donc lui, il va falloir être prêt à aller all-in. J'avais ping. J'ai l'impression qu'ils comprennent pas ce que c'est un stop DPS. Je ping. Il y a juste à attendre qu'ils viennent. Je peux littéralement pas placer une auto, ça régale. Bah je sais pas pourquoi ils font ça encore une fois. Bon encore une fois, c'est un fight de merde, on finit par récup derrière, mais... Pourquoi ils comprennent pas le stop DPS? J'ai ping deux fois que j'avais pas de smite. Ah là 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 là, ce jeu. Compliqué. Ok, j'ai ma plaque du mort. Je vais reset. Je vais aller chercher les ennemis maintenant. Il crève vraiment, non? Mais... Ok, le flash était pas trop mal, trop bien que le casse-nain vienne. Tout le monde vit sa life. Tout le monde s'en tape, hein, vraiment. Bon, il y a le Trundle et le Cassadin qui vont chercher des inhibs, ça c'est bien, on va dire, mais par ça. C'est compliqué. Bon, moi je suis un monstre, hein. Je suis level 17. Il manque plus qu'un item. Je vais garder les Stropiers des fois que j'ai une opportunité de kill. Plutôt go topside. Oh là 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 là. Compliqué, compliqué ces games. Ça veut pas finir. Pas un petit bleu là? Non. Pas un petit catch à faire? Oui, il y a un catch à faire. Évidemment qu'il y a un catch à faire. Le Voli, il a compris, c'était qui le boss, hein, je pense. En vrai, bon, plutôt que de chaser à l'infini. Oh, vraiment, il fight là. Allez, un peu de follow-up s'il vous plaît. J'y vais. Ah oui, il y a un Zonia sur un Voli, hein. Ce jeu c'est plus ce que c'était. Hein. Au moins à la base un Zonia c'est un truc qu'il y avait genre sur l'image, ce genre de choses quoi. Donc, il crève pas évidemment. J'y vais. Pourquoi je prends un milliard de dégâts là? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Apparemment il y a un petit souci technique là, il n'y a pas un raid qui traîne par là? Ah, pas de chance. Non mais je sais pas. Je sais pas comment ils se font catch tout le temps, c'est hyper chelou les fights, ça n'a aucun sens. Ça fight tout le temps quand il n'y a pas d'objectif, ça va pas chercher les inhibs, c'est terrible. Allez, j'arrive. C'est très très spécial hein, leur façon de faire là. Là, il n'y avait aucune raison d'overcommit ici, enfin, on était en train de dominer complètement. Ok, j'arrive, go. La karma, c'est un énorme problème en vrai, elle est archi relou pour les... La gestion du placement et des catchs. Ok, je l'échappe. Oui. Ok, il s'est sacrifié, lui. J'y vais. Oh, le slow que je prends, par contre. Bah, c'est vrai que j'ai pas pris de ténacité ni de... Normalement, je prends assez rarement les bots là. Là je l'ai pris parce qu'il y avait Maître Yi et Caitlyn qui sont vraiment les grosses sources de DPS. Mais... Ok, il faut absolument qu'on soit prêt pour le prochain Drake. Ce serait bien que j'ai un peu de backup là. Je pense qu'il y a un catch à faire. Ok, je vais leur enlever ça. Prendre le Carab du Nash. Faut qu'on soit prêt à réagir en cas de catch ou quoi que ce soit, mais à chaque fois c'est archi bizarre. Là. Bon, on a un Cassadin late game qui a des kills et qui a l'air de quand même savoir jouer son perso, mais à chaque fois ça se passe hyper bizarrement. J'ai vraiment la sensation qu'on devrait. Mais il fallait le laisser venir là, il fallait bait en fait. Il était solo le beat, hein. Bon, moi je suis level 18 depuis 1000 ans, mais malheureusement ma distance s'amoindrit avec le Eevee. Ok, ça c'est claqué. Bon, j'imagine que la Jinx elle doit avoir quelques dégâts quand même. Espérons. Bien que le Trundle soit un poil plus tanky. Alors ça fait quoi mon gros? C'est chiant hein. Allez, mange ton meilleur stun toi. Voilà, allez, all mid. Ah, je me suis vengé de ces smites de mort là, je crois que je lui en ai mis 2-3, ouf. On est quitte.
Bon, je me suis pas démonté, j'ai bien tryhard. Attends, je suis en 5-4-15, quoi, what the fuck. Oh, je fais une game archi propre, je l'ai détruit en macro le Eevee. Vraiment, les drakes qu'il a eu, c'est du vol. C'est du vol, il y a vraiment pas d'autre mot, je suis désolé. Il aurait dû en toucher 0, quoi. On va mettre de l'honneur. En vrai, Kassadin pourra en prendre, mais je vais le mettre à Trundle pour sang-froid. Il a pas fait chier, il a vécu sa life, il a quand même fait son taf. Ah, c'était beaucoup plus éprouvant que ça aurait dû l'être, hein, vraiment. Moi, j'ai quand même fait une game plutôt propre. Je suis à 16 000 gold. Moi, je mets 100 de farm au maître Yi, quoi. Ouais, bon, pas mal d'erreurs de ma part, pas mal de misplays. Normalement, je fais des games beaucoup plus clean que ça, mais bon, voilà, là, je suis dans un nouvel environnement de stream, de setup, de vidéo, de compagnie. C'est aussi, j'ai plus l'habitude de commenter, hein, j'avais joué récemment off, mais voilà, faut que je reprenne un petit peu les petits réflexes. Mais ça va revenir tranquillement, je suis assez chaud, il n'y a aucun souci. Voilà, j'espère que cette petite game vous a plu. C'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.